Ok, je pense que là, on est bon. Donnez-moi 2 petites secondes de plus. Geoffrey également est un super copain à moi. On se connaît depuis 20 20 ans, ans. hein, quelque chose comme ça. On était au conservatoire ensemble. Et donc, ça me fait super plaisir de travailler avec lui sur Master Sax. C'est un super musicien que j'admire depuis nos années au conservatoire. Donc, Super. ça me fait très plaisir. Je vous invite tous à visiter un peu sur Internet tout ce qu'il fait. Ok, on est prêt. Excusez-moi pour ces quelques petites minutes de préparation. Ce que je vais faire, on va passer tout de suite une courte vidéo de présentation de BG France. Alors BG France, c'est un fabricant d'accessoires pour instruments à vent. Tu me correcteras si besoin est, hein, mais vous êtes diversifié depuis quelques années, vous êtes diversifié parce que vous avez également des produits pour guitare, pour piano, etc. Mais BG France est connu, le nerf de la guerre pour BG France, c'est les ligatures et les cordons de saxophone. Donc c'est vraiment, je crois, hein, les deux produits phares de BG France. Ligature, cordon et écouvillon. C'est les trois familles principales d'accessoires, voilà, de BG, qui ont été créées depuis 1985. Et au fur et à mesure, on a fait d'abord saxophone, que mon père, Serge Bichon, était vraiment basé dans le saxophone classique. La suite logique, c'était de commencer à faire aussi pour la clarinette, puisque les besoins étaient assez similaires. Et toujours avec une direction donnée par mon père pour avoir une seule direction par rapport à l'acoustique. Et avec bien sûr des conseillers pour avancer. Puis après, une fois qu'on a commencé à faire ligature, il a fallu faire aussi d'autres choses parce que les musiciens n'ont pas vivant de ligature tous les jours. Donc il fallait penser aussi au confort du port de l'instrument, penser au confort et à la propreté aussi, donc nettoyage des instruments. Donc on a fait la gamme complète comme ça au fur et à mesure pour saxophone et aussi pour clarinette, puis pour hanche double. Puis on a fait la flûte. Et après, on a attaqué un petit peu le marché des cordes, piano, guitare, pour faire deux, trois petites choses, mais de façon plus parodique, parce que le cœur de métier, notre savoir-faire, c'est vraiment pour l'instrument à vent. Flûte ou Ok. gamme de guitare, qui va sortir un peu plus tard. Voilà. Je vais lancer la petite vidéo de présentation et puis après on va pouvoir attaquer Papoter. le sujet en détail. Franck, Geoffrey, Clément, je vous invite si vous n'avez pas d'écouteurs, à vous muter parce que sinon vous risquez d'avoir un petit feedback quand je vais Ok. passer la. Ok. Alright, share screen. Bonjour à tous, Franck Bichon, je suis heureux de vous accueillir chez BG, une entreprise lyonnaise que j'ai créée il y a maintenant 35 ans. Bonne visite!
All right. OK, cool. C'est une petite présentation de BG. Alors, je voudrais qu'on aille dans le vif du sujet. Franck, tu me disais donc ça avait commencé avec ton père Serge Bichon. En fait, Attendez. Et ce que j'avais retenu, excusez-moi, il y avait un truc dans les écouteurs. Et ton père que j'avais rencontré, qui était un saxophoniste classique et un professeur émérite que j'avais rencontré dans le début des années 90, je crois, pour le concours international de saxophone. Et ton père avait une réputation d'être très 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 strict, très sévère. Et c'est marrant parce qu'il avait été, juste pour la petite histoire, il avait été. J'ai encore les notes hein, de tous les profs qu'il y avait à ce concours. Et c'est celui qui avait été le plus prolifique en critique, mais des critiques constructives. Et je voyais tout ce qu'il écrivait, je me disais, oh là, il va me détruire. Et en fait, il était très strict, il savait ce qu'il voulait, mais il le faisait, en tout cas, moi, de mon expérience, il avait fait vraiment pour partager, pour m'aider. Donc, je me souviens qu'il avait fait beaucoup de critiques qui avaient été constructives. Et que c'était pas juste ah super et puis donc c'était assez constructif. Mais j'ai vraiment eu juste cette très petite expérience avec ton père. Mais je rebondis là-dessus parce que tu disais qu'il avait il avait une direction pour le son et je crois que ça a évolué avec toi. Bah, oui et non, parce que si tu veux quelque part, bon d'abord c'est vrai que mon père, bon, il a été professeur de Claude Delangue, d'Habanera Quartet, de plein d'artistes importants et de professeurs importants. Chez BG, on a la chance d'avoir Pasquale qui est avec nous, qui est un médaille d'or aussi, qui a étudié avec lui, et plein d'autres musiciens qui pourront te dire aussi que même à 50 ans, il veut encore la colique si mon père venait les voir, quoi. Donc c'était vraiment quelqu'un qui, c'était marche ou crève en fait en gros, c'était « tu veux bosser, je vais tout donner pour toi ». Tu veux pas bosser, je vais tout faire pour que tu laisses ta place à quelqu'un qui, lui, veut bosser. C'était sa vision des choses pour l'enseignement. Et il a fait ses méthodes, ses ensembles de saxophones, etc. Il a été aussi conseiller pour un fabricant d'anges, pour le contrôle qualitatif, tout le temps qu'il voulait, tout ça, jusqu'à sa retraite, en fait. Donc, il avait vraiment l'oreille qui était formée. Il était conseiller aussi pour Selmer, ce qui n'est pas une moindre chose. Et donc, c'est toute une génération de gens qui apportaient des idées qui étaient. Qui consultait tout ce que faisait tout le monde pour savoir ce qui se passe à côté. Par contre, tout ce que moi je fais, protégez-moi. Ça, c'est sa façon de voir les choses. On ouvre tout, on regarde tout, on compare, et après, voilà. Maintenant, tu sais pourquoi il faut faire ça. Sa façon de voir, c'est comme ça. Et pour le son, j'ai été élevé ben, avec le son Bichon. Donc, ça veut dire un son rond, homogène dans tous les registres, et puis à une certaine façon du vibrato aussi. Donc, si tu veux, il y avait vraiment deux écoles de son à l'époque, et deux écoles que j'admire. Jean Mailandec, c'est un excellent international artiste, et puis il y a l'école de Serge Bichon. C'était un petit peu les deux tendances. Et qui ont donné deux grands élèves, donc Jean-Yves Fourmeau, et qui est un artiste que j'admire énormément et que j'apprécie humainement, et Claude Delangue aussi, pareil. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'origine par rapport à d'où vient le son BG, etc. et tout. Et on a travaillé toujours avec une équipe très serrée de musiciens que mon père considérait pour leur valeur musicale. Et c'était très serré, c'est deux, trois personnes à chaque fois, soit pour saxophone, soit pour clarinette, c'était pas plus. J'ai toujours gardé en mémoire une expérience. J'étais minot, j'étais même pas encore avec BG à l'époque, où mon père m'avait dit un jour, j'ai été invité par Yamaha pour faire un test sur un saxophone. Alors, je dis Yamaha, ça aurait pu être une autre marque, hein, mais c'est le principe. Et sincèrement, c'était meilleur qu'un instrument de Selmer. C'était un prototype. Et pour mon père dit ça, il en fait, parce que c'était le fan par excellence de Selmer. Et 3 ans après, 2 ans après,
Yamaha a sorti le saxophone et finalement, il était bien inférieur à la qualité de ce qu'ils avaient essayé en France. Mais en France, c'était Defaillé, c'était Londex, c'est tous ces gens-là qui avaient essayé donc les pointures de l'époque. Et ça m'a conforté dans l'idée de dire, essayez avec d'autres pays, parce qu'ils ont fait une moyenne européenne, en fait, pour trouver le son qu'ils voulaient, et puis asiatique, et puis américain, etc. Et tout. Comparer avec trop de personnes, à la fin, ça tue la direction que tu prends. Donc, c'est pour ça que je suis resté toujours sur des conseillers qui sont l'attention acoustique de ce que mon père aimait, et pour continuer à travailler dans ce sens-là. Avec, bien sûr, à chaque fois, des innovations mécaniques, esthétiques, etc. et tout, pour arriver à trouver toujours quelque chose qui puisse convenir aux attentes des musiciens, voire créer des besoins, bien sûr. Ce qui est plus fun. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, Geoffrey, à un moment, si tu as des questions, tout le monde, vous pouvez poser vos questions dans le chat et on répondra à vos questions également. Ouais, vas-y, Geoffrey. Ouais, tu parlais de ce concours. Est-ce que par hasard, c'était le concours à Gap? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, mais peut-être qu'on y a été la même année. Et moi, mon prof, c'était Jean-Michel Soudan et c'était un élève de Bichon. Donc voilà, je ne sais pas si. donc voilà, alors, en tout cas, je sens particulièrement cette filiation avec Bichon. Donc je suis très heureux de vous rencontrer là tous. Ouais, bah, nous aussi. Yes, et du coup, donc historiquement, BG, ça a commencé avec les ligatures, hein, c'est ça, Franck? Et au départ, ce qu'il faut savoir, c'est que la première ligature BG, c'était donc il y a 35 ans, une ligature souple. Quand tout le monde faisait du serre-joint pour tenir le bec avec l'anche, les gens considéraient que c'était une fonction, une ligature. C'était uniquement un maintien. Et mon père, depuis 20 ans déjà, il commençait à faire des tests, des recherches, mais en démarrant avec un simple élastique. Mais un élastique qu'on met autour des papiers, des machins, etc. Qu'il avait coupé, il a mis son ligature, il s'est aperçu que les vibrations, ça les affectait. Et il s'est dit, il y a quelque chose à travailler. Et on a commencé avec un simple élastique. Et puis après, il a commencé à prendre un tournevis, un marteau, une feuille de métal, mettre en forme, et puis voilà. Et c'est venu vraiment mais de briques et de braques dans un garage. On a commencé dans le garage de mes parents et pour arriver à mettre au point la première ligature et puis trouver le son qu'on cherchait avec le caoutchouc qui était devenu donc une plaque caoutchouc qui était mise en extrusion. Mais bon, on a eu plein de recherches, de choses comme ça. Mais au départ, quand j'ai commencé BG, pour moi, c'était simple. C'était on prend une brouette, on la remplit de produits qu'on prend chez Paul, et puis on va la vendre chez Bernard, et puis on revient, la boîte est pleine d'argent, et on pose des pieds en éventail. Bah, attends, c'est comme ça. Tu sais, moi, c'est mon premier métier. J'ai bossé un mois et demi pour quelqu'un. Je savais que j'étais pour bosser pour les autres. Enfin, je vais me lancer, puis j'ai eu l'idée d'abord d'une agence de pub, et puis ensuite d'une activité de signature. Et j'ai dit, bah, si je fais ça, je vais être numéro un mondial, ça n'a aucun intérêt. C'était de devenir le fabricant numéro un au niveau de l'accessoire haut de gamme, parce que bien se rappeler qu'il y a 35 ans, bon, bien sûr, Internet. Et il y avait aussi. Soit tu faisais du. Et à ce moment-là, de toute façon, tu allais être battu, il y a toujours moins cher que toi. Donc j'ai pensé plus Rolls-Royce que Big. C'est la marque référente à l'époque du jetable pour la direction que je voulais faire un truc qui puisse servir pour plusieurs générations. C'est-à-dire qu'une ligature BG, un cordon BG, un écho BG, c'est fait pour durer non pas 5 ans comme on le marque, mais 10 ans, 15 ans, 20 ans, comme tu veux. Et nombre de fois, j'ai vu la chose arriver et j'ai eu du mal des fois à avoir des gens qui se séparent de leur ancien produit que je voulais avoir pour montrer à mon équipe, pour leur montrer, tu vois, au bout de 15 ans, ce qu'il en reste. Comment ça marche encore et qu'il n'y a pas besoin de le jeter, c'est toujours une fois que tu l'entretiens correctement, c'est bon pour un écouvillon ou pour un cordon ou pour une ligature. J'ai même vu une ligature qui n'avait pas encore la marque BG avec un trait 11 à l'époque parce qu'on n'avait pas encore pensé à lier de la marque. Et voilà, c'est des choses qui sont monnaie courante parce que je me mets à la place du musicien, de l'acheteur. Et pour moi, d'abord, si BG existe, c'est parce qu'il y a des musiciens en face. Donc si on ne les respecte pas, on est mort. Donc il fallait faire des produits qui durent, qui fassent plaisir et qu'on ait envie d'acheter. C'est un peu comme un vêtement, comme une marque de soupe, de nourriture. C'est, tu vas en reprendre si la première est bonne. Et tu vas essayer éventuellement bien plus large. Soit un t-shirt, soit un vêtement, un jean, n'importe quoi. Si la marque est fiable, tu reviens dans la marque ou dans le magasin. Si on te trompe par contre un jour, tu ne reviens plus. Tu te dis, bah, ils ont baissé en qualité, donc c'est mort. Mais on fait tous pareil. Hein. C'est que de la logique humaine. Moi, je viens de la campagne, j'appuie ça.
Ouais, bah moi j'ai toujours des ligatures des années 90. Hein. Je les ai aussi. Super. Est-ce que Franck, tu peux nous faire un petit tour des locaux là, montrer un peu à tout le monde où sont fabriqués tous ces produits. Ah ouais, mais... T'as pas reçu encore. Je t'ai fait le virement pourtant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire visiter la partie ligature, d'accord ? Actuellement, avec les Covid et tout, on essaie de limiter un petit peu les passages à droite à gauche dans tous les bâtiments. J'en ai aussi qui sont actuellement justement en production, en télétravail aussi, pour la partie bureau. Donc, on va surtout faire les ligatures, parce que je pense que c'est le fer de lance qu'il faut mettre en avant aussi pour ça. On a montré la première vidéo. Est-ce que la première vidéo était claire pour vous d'abord, pour présenter BG ? Bah pour moi, oui. Après BG, je connais. Donc on va montrer ça, mais je vais vous présenter en même temps quelqu'un qui s'appelle Pasquale, qui est Pasquale Cassio, et qui va prendre la relève avec l'iPhone et puis présenter lui-même. Salut, Alex. Salut Pasquale, ça va ? Salut Pasquale. Bonjour. Donc, vas-y Pasquale, parle un petit peu des ligatures. Les ligatures, on peut descendre. Ouais, ce qu'on va faire. Tiens, je te laisse faire. Ça marche ? Oui, ça marche. T'as plus qu'à tourner dans le bon sens, bien sûr. On fait un petit passage dans la ligature. Ok. Alors Pasquale, dis-nous exactement quelle est ta fonction dans BG pour que les gens comprennent qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Bah, ma fonction, c'est un peu faire de la recherche, amélioration de produits. Voilà, c'est un peu tout ça, ouais. Faire du packaging avec Franck, catalogue, voilà. Ok, et Pasquale est saxophoniste. Saxophoniste, ouais, j'étais élève de Serge Bichon. Médaille d'or. Médaille d'or avec Serge Bichon. C'était un prof très dur, comme tu as dit. Et tu es venu en France étudier avec... Alors, j'étais venu en France pour étudier, voilà. Je suis italien, j'avais fait mon sax en Italie, je suis venu en France pour continuer mes études au niveau un peu plus supérieur, on peut dire, voilà. D'accord, super. Bon, ben vas-y, alors montre-nous où on est là, Pasquale. Là, on est dans les locaux de ligature. Là, il y a Louisa. Bonjour, Louisa. Louisa qui fait la fabrication des ligatures et contrôle aussi. Là, on va vous montrer. C'est tout fait à la main. On va vous montrer des bandes, toi, des bandes de ligatures là, qui sont coupées. On a deux tissus qui sont coupés, contrôlés, marqués. Avec des logos, là, on a 17 étapes dans une ligature. Et après, vous voyez un peu le collage. Ça, c'est des ligatures révélation silver. C'est des ligatures comme les super révélations avec une petite plaque argent au or. Voilà. On peut mettre l'araignée directement. Voilà. Ça, c'est vraiment la fabrication, vous voyez. Voilà. On met ça. C'est ça. Ouais. Voilà. Après, ouais. Vas-y, fais le collage de vis. Voilà, ça c'est... Vous voyez, on a des vis, on a... Vous êtes où, là? Vous êtes à Lyon? Je ne sais pas si tu entends, mais ouais, ils sont à Lyon. Ah. On a peut-être un problème de connexion avec le téléphone. On est combien là sur le live? J'arrive pas à voir. Sur les presses, que ça reste. Oui. Ah voilà. En fait, c'est ligature, c'est de la colle. Il faut que ça sèche. Ouais. Oui, ça a du mal à passer là. Vous voyez? Oui. Voilà, ça c'est mis sur une presse pour le collage. Après, ça donne ça. Une fois c'est terminé, voilà, c'est ce que vous voyez. Et après, on met un petit code de rétro-mieux, voilà, collé.
peux voir. Ouais. Voilà. On a appuyé un petit peu. On a appuyé un petit peu, on laisse sécher. Et une fois que c'est... Voilà, on fait plusieurs à la fois, voilà. On va laisser sécher. Et une fois que c'est terminé... Tu vas mettre en forme? Ouais, mettre en forme, ouais. Voilà, une fois que c'est séché, les ligatures, on le, voilà, on les met en forme. Et comme vous voyez, vous avez la ligature que vous voyez dans les magasins. C'est voilà. Grave. Yes. Est-ce que vous voyez? Ouais, très bien. Voilà, après on a le contrôle. On peut la retourner la caméra ou quoi? Je sais pas. Retourner la caméra, je sais même pas. Un moment, oui, mais bon, on va voir. Voilà. Là, c'est le contrôle des ligatures du haut au métal. Voilà, on a une loupe, comme vous voyez, pour regarder tous les défauts qu'on peut trouver sur les ligatures métal. Tous les défauts sont refusés. C'est-à-dire qu'on reçoit des ligatures en laiton, métal, on les nettoie, ils partent chez quelqu'un pour les faire plaquer, ils reviennent, on nettoie, on vérifie, et ça, c'est vérifié pièce par pièce. Hein. Il y a... On contrôle tout. Et qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous faites des pièces qui passent pas le contrôle? Vous les retravaillez, vous les jetez? Comment ça se passe? Ça dépend des défauts. Si c'est quelques petits rayons, on peut les retraiter des fois, ça dépend. Ou sinon, non, ça peut partir à la poubelle, oui. On peut rien faire avec des pièces comme ça. On ne peut pas l'utiliser. Quand ils sont morts des fois. Voilà. Là, vous allez voir, on va faire un montage des ligatures. Du haut. Ah, ça, c'est la ligature du haut, hein, pour ceux qui... Exactement. C'est celle que tu joues, non? Exactement, ouais. C'est celle que je joue. Ouais. C'est vrai ou pas? C'est une ligature qui sera gagnée dans le concours après le stage. Exactement. C'est une ligature qui sera offerte à un ou une gagnante qui aura participé au stage le Master Sax. Bah, comme vous voyez, c'est vraiment tout est fait manuel. Ouais, c'est minutieux, hein. C'est minutieux. Ouais. On n'a pas d'autre moyen de malheureusement de faire autrement. Voilà, on fait la ligature montée, on met la vis. On nettoie tout toujours, voilà, que ce soit bien propre, brillant. Et voilà, on fait la ligature montée, voilà. Après, c'est emballé, comme vous avez vu dans les vidéos. Yes. Magnifique. Ouais. C'est très beau. Ah, c'est comme des petits bijoux. Oui, tout à fait, tout à fait. Ce sont des bijoux. Yes, bon, super. Voilà pour les parties d'ligature. Il faut savoir pour le contrôle. Oui, je montrerai, oui. C'est que c'est une loupe qui grossit par 10 fois. Ouais. Donc là, je ne sais pas si c'est facile à voir par l'écran, mais ça grossit 10 fois. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est qu'une toute petite rayure, quand c'est traité, ça devient une loupe, en fait. Le traitement fait un effet de loupe. Donc, ça grossit les défauts. Donc, il faut bien les voir avant traitement de surface. Il faut bien regarder ce qu'il en est pour les écarter tout de suite. Tout ce qui est une rayure, tout ce qui est une boursouflure ou un ponçon dessus, on les écarte pour ne pas les traiter. Et après ça, derrière, on fait l'ajustement qui est nécessaire. On trie avant traitement et après traitement. Pareil, on les reçoit. Quand on voit le moindre doute, on regarde de nouveau pour voir s'il n'y a pas un problème entre le traitement et avant traitement. Et après, avant.
Et ben voilà, c'est tout. C'est la qualité BG. On veut vraiment que ce soit parfait parce que la ligature, c'est ce qui vient sous le nez. D'accord ? Donc, c'est un endroit que tu regardes tout de suite, c'est bien ce que tu mets dans ta bouche pour savoir si c'est beau, etc. Et même si le musicien ne fait pas attention autant que nous, j'ai hérité de ça de mon père, de toute façon, pointilleux et puis soucieux du détail. Et il faut que ce soit parfait. Sinon, ce n'est pas du BG. Voilà, c'est tout. Franck, on a une question là, de Christophe, oui, qui demande quelle est la colle utilisée, si ce n'est pas un secret. C'est un secret. Il faut bien qu'on regarde quelque chose. Voilà. Il y a plein de choses qu'on a mis au point au fur et à mesure, qu'on garde chez nous bien secret. Et par contre, on est toujours prêt à évoluer, à remettre en question. Si on dit qu'il y a quelque chose qu'à faire de différemment, on le fait. Je veux dire. Un produit, pour nous, il n'est jamais fini. Il est perfectible, constamment. On le fait le mieux qu'on peut, mais on peut toujours faire mieux. Donc, comme tu disais, mon père, tu avais fait des remarques, une tonne, mais des remarques constructives, pas pour défaire, mais pour construire. Et pour nous, c'est la même chose. C'est qu'on adore quand les gens nous disent, bah, « Oui, mais il y a ça, ou ceci, ou cela. » OK, on travaille dessus, on regarde. C'est comme faire un prototype pour une personne qui a une taille différente. On fait l'essai. Ou un écouillon différent, ben moi je préférais comme ci, comme ça. On regarde. Il faut savoir se mettre à la page par rapport aux gens, par rapport aux attentes. Et même si c'est pour un seul musicien, on fait toujours l'essai de mettre au point les choses. J'ai mis au point des ligatures aussi pour des becs jazz qui ne sont pas très populaires. Mais parce que, bon, d'une part, c'est des copains. Et d'autre part, c'est des musiciens très connus. Et il y a besoin d'une ligature qui aille sur leur bec parce que ça me fait chier de les voir avec une ligature qui n'est pas une de chez BG parce qu'il n'y a pas la taille qui allait pour le bec. Donc, on retravaille chaque fois quand on peut le faire. Alors, c'est sûr qu'un emporte-pièce, l'outil ligature souple, ce n'est pas le même prix qu'une ligature métal. Donc là, on regarde les choses différemment. Et par contre, après, voilà, ce qui est important, c'est que la meilleure ligature, c'est, et ça restera, celle qui vous convient. Et tant que vous n'avez pas essayé, vous ne pouvez pas savoir. Donc, voilà. Et pour moi, c'est vraiment le critère de choix, c'est ça. C'est pas de dire qu'on est les meilleurs. On travaille pour être les meilleurs, comme toutes les marques, mais chacune avec ses critères de qualité, avec son niveau de tolérance et de non-tolérance par rapport à la qualité et par rapport aux attentes. Donc voilà, on essaye toujours de progresser par rapport à ça. Et ce qui fait plaisir, c'est que les musiciens qui jouent les mêmes marques, quand ils ne sont pas sponsorisés par une autre marque, parce que là, voilà, c'est l'argent qui devient le critère numéro un, c'est important d'avoir toujours cette fiabilité et cette reconnaissance pour les gens. Alors, on a Christophe qui demandait par rapport à la colle et qui dit, parce que lui, il a eu un petit problème avec sa ligature qui s'est décollée. Alors, ça peut arriver pour plusieurs raisons. Déjà, peut-être le temps, je ne sais pas si combien de temps, depuis combien de temps Christophe a sa ligature. Peut-être aussi par rapport à l'humidité, le climat où il est, l'entretien. Est-ce qu'il y a des trucs d'entretien particuliers pour les ligatures ou pas forcément? Qu'est-ce qu'on a à dire? Comment il s'appelle? Philippe, ça? Christophe. Vous pouvez aussi nous contacter par Facebook ou pour Internet. Pour qu'on prenne contact avec lui pour voir exactement son problème en détail. Mais on a toujours, de toute façon, une solution à trouver par rapport à ça. Donc, ça peut être effectivement la cause du problème, peut être s'il a laissé sur un radiateur ou dans un endroit où c'est l'humidité, trop chaud, etc. Et tout. Ça peut intervenir aussi, parce que si c'est une ligature en tissu, tu mets n'importe quel tissu, ça va chauffer forcément, donc la colle aussi va réagir dessus. Après, il faut voir ce qu'il en est, qu'il nous explique, et puis on regardera la solution avec lui. Mais on laisse jamais planter un musicien. S'il y a un problème avec une ligature BG, il faut que ce soit parfait. Sinon, ce n'est pas la peine d'acheter du BG. OK. Donc, Christophe, contacte BG France. Voilà. Il y a Julien qui demande aussi… Excuse-moi, juste avant ça, je veux dire que Pasquale fait partie des personnes justement qui s'occupent du contrôle qualité. Quand il y a un souci par rapport à ça avec Clément, il regarde exactement ce qu'il en est pour comprendre l'origine, pour qu'on puisse réagir. Alors, bien sûr, après, il faut qu'on sache aussi la ligature à 20 ans, à 30 ans, combien, etc. et tout, comment ça a été utilisé pour qu'on comprenne l'origine du problème et qu'on puisse trouver la solution ensemble. Voilà. Yes.
Il y a Julien qui demande combien, quel est le volume de ligature que vous fabriquez par an. Alors, il y a des informations qui sont confidentielles, je ne dirais pas. Ce que je peux te dire par contre à Julien, c'est qu'on vend en 2019, parce que 2020, de toute façon, c'est une année de merde avec le Covid, on vend en moyenne un produit par minute dans le monde. Tout un produit par minute, d'accord. Dans le monde. Ça veut dire entre les ligatures, les écouvillons, les protège-becs, les ligatures, cordon, ouais, bah, enfin, tout, tous les accessoires, tout ce qu'on vend, bah, toute la gamme BG, on a plus de 400 références chez BG. Hein. Donc, voilà, ça fait, c'est ce que ça fait en moyenne par an. D'accord. Cool. Bon, donc, un produit par minute. OK. Bon, je crois qu'on peut continuer la visite s'il y a un autre endroit où vous voulez nous emmener. Que je vais vous montrer simplement, ça va être la partie ligature là, un petit peu sur les choses. On va aller voir aussi Hugues en haut. Donc là, on est... Attends, là, c'est moi que vous voyez, donc c'est très intéressant. Si vous voyez tout le reste, non, vous voyez pas. Je ne sais plus où ça tourne. Bon, là, c'est un peu le stockage de ligature pour tous les produits que l'on fait. La partie ligature. OK. Ouais. Et ce qu'on va faire... Donc, on va aller voir maintenant Hugues qui va vous montrer un petit peu la partie archive. Et là, ce qui est intéressant, c'est que BG, c'est quoi? C'est une gamme de produits, comme je disais, plus de 400 références. Mais il faut savoir aussi que ces 400 références, elles ne sont pas venues toutes seules comme ça du jour au lendemain. C'est une réflexion qu'on a eue, qui s'est faite par étapes, par expérience pour certains produits. Le sèche-tampon, ben, c'est avec Pasquale qui avait une idée par rapport à un sèche-tampon qui soit en tissu et non pas en papier de cigarette. Le Reed Performer, ben, c'est venu quand on a fait les recherches de... dans Hybride à l'époque avec mon père, et puis il fallait un truc pour arrondir le son, donc on a mis un Reed Performer au point, un booster d'anche qui arrondit le son. Et puis, mais à chaque fois, on a eu des étapes où on a cherché à faire soit une disruption sur le marché, donc faire autrement que les font les autres, soit autrement à faire vraiment un produit, dire OK, on va pas faire le même parce que ça existe déjà. Si les gens ont déjà le produit, ça sert à rien qu'on fasse un MeToo. Il faut qu'on vienne avec une idée supplémentaire. Donc, c'est un travail de longue haleine par rapport à ça. Mais ça vient aussi en sachant comparer ce que font les autres. Donc, ça veut dire que font les autres, comment ils le font, qu'est-ce qu'il y a de qualitatif à prendre en compte, et que mon équipe sache aussi comment on se situe par rapport aux autres. Parce que si on ne sait pas ce niveau qu'on a de compétence, voire d'incompétence, par rapport aux autres, ben on ne peut pas avancer, on ne peut pas progresser. Donc là, ce que je vais vous montrer aussi, c'est une pièce... on ne la voit pas. Merde, comment on fait pour tourner l'écran? Je suis désolé, je te dis deux heures. Appuie dessus. Un. Et ici. Ah. D'accord, OK. Bon, là, on est dans le haut, on est dans la pièce ici où travaille donc Clément, ici présent. Et puis, donc, Pasquale, que vous venez de voir maintenant, OK. Là, on a aussi un petit tableau qu'on est en train de remettre à jour. Il n'y a pas tout, parce que c'est les nouveautés de l'année pour les cordons, pour les accessoires, les couvillons. Donc, il y a la gamme cuivre, il y a toute une gamme de cuivre qu'on développe maintenant à fond la caisse, comme il se fait à 35 ans aussi. Alors, ça, c'est une nouveauté aussi pour saxophone. Pour saxophone, on a aussi un écouvillon pour baryton qui vient de sortir, OK. On a fait aussi tout ce qui est à la mode, les anti-spray pour tout ce qui est Covid. On a fait un étui aussi pour tout ce qui est récupérer l'eau des trompettes. Et un tapis de sol aussi pour quand vous jouez chez vous à la maison pour éviter que le Covid se prenne sur le sol. Voilà. Mm. Je quitte après pour tout ce qui est nettoyer en ce moment. Donc, tout ça, ce sont des produits qui sortent régulièrement, qu'on met au point. Et bon, ça, c'est les nouveaux cordons que je dois t'envoyer d'ailleurs, Alex. Ouais. Avec les carteurs qu'on a mis au point, cordon rouge, cordon noir, cordon blanc. Et puis, donc là, on a la pièce donc, de travail aussi, où vous travaillez aussi. Donc, Pasquale, pour tout ce qui est. Ben là, il est en train de travailler sur un dossier pour un client d'OIM. On travaille beaucoup pour d'autres marques aussi. Alors, je ne vais pas citer les marques parce que ce n'est pas à l'extérieur, mais on travaille pour 10% du marché mondial en faisant des accessoires pour eux. Là, je vous montre une pièce qui est la pièce pour les tests, en fait, pour les becs. C'est la pièce intimiste. Il faudra que j'aille après plus tard dans l'autre pièce. On a un showroom masterclass que vous avez pu voir en vidéo, qui est là, une salle qui nous permet d'accueillir 40 personnes facilement et qui permet d'avoir donc deux ambiances d'acoustique pour faire les tests chez nous.
C'est important, c'est qu'on puisse vraiment se sentir dans deux ambiances différentes, qu'on puisse dire, OK, ça correspond à ce que je cherche comme sonorité. Là, c'est la pièce où on fait les photos chez BG. Donc, on a tout ce qu'il nous faut pour shooter un peu les prises de vue. Et puis là, maintenant, je vais vous emmener voir l'ami Hugues, qui est là. Et Hugues, en fait, donc, c'est la mémoire de BG. Il s'est occupé en 3 ans de mettre au point tout ce qui est donc, archivage de tous les produits que j'ai rapportés de salon. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est, le but pour moi, c'est quand je pars à l'étranger, je vois des choses. Mais tout le monde ne les voit pas. Donc, il faut aussi que... Voilà. Il faut aussi que les gens puissent, chez BG, s'apercevoir de ce que font les autres, de la qualité, le concept, et que ça nous serve de base d'inspiration aussi pour dire, OK, on voit ce qu'ils font, on voit le point faible, donc on va retailler ce point faible là et on va apporter un plus en même temps sur ce produit. Et ça, c'est vraiment tout le travail qu'on a mis en place. Donc là, il y a plus de... Dans cette pièce ici, je vais remontrer maintenant, tac, on a plus de... 2500 références. 2500 références. Donc là, je vous présente Papy Hugues. Salut Papy Hugues. Et je dis Papy Hugues parce qu'il a tant de plus que moi, donc c'est pour ça. On a fait l'armée ensemble. Donc c'est pour dire que tout le monde se retrouve un peu comme ça ici. Et en fait, donc Hugues a fait partie de l'équipe initiale de BG avec mon père pour les tests avec Robert Benchotto aussi, pour la clarinette, pour les ligatures et tout. Donc, et on s'est toujours suivi par rapport à ça parce qu'il avait l'oreille, ben, une oreille musicale et puis également donc, le goût du travail bien fait. Donc, ça correspondait aux critères qu'on avait chez BG. Je suis clarinettiste. Et il est en plus, il est clarinettiste. En plus. Donc, voilà, personne n'est parfait. Et là, maintenant, je vais le laisser. Il va enlever son masque. Genre, on va se retirer. On va le laisser parler avec vous pour présenter son activité. Tu prends du super. Oui, 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 oui. Bonjour, donc voilà, ici, vous avez tous les casiers qui sont référencés, aussi bien les accessoires prototypes qu'on a fait durant, depuis au moins 20-25 ans, comme tous les cordons concurrents. Alors donc là, je vous présente par exemple un tiroir avec les cordons tour du cou des concurrents saxophones. Ce sont des tours du cou... voilà, ici on voit les trous du cou concurrents. Tout est référencé. Voilà, et on peut les retrouver sur l'ordinateur. Ici, donc si je prends le casier référencé, voilà, il est là. Je vais cliquer dessus pour ouvrir. Voilà, il va s'ouvrir. Et donc là, je vais retrouver tout de suite ici mon produit avec les remarques qu'on peut trouver sur le cordon. Voilà, et là, on a tous les cordons en bas, sur les listes de cordons, on peut retrouver tous les cordons qui sont existants, Bradley, voilà, Rico, Rhythone, etc. Voilà, et ça... On a des cordons saxophones, hautbois, clarinette, voilà. Tout est référencé sur ordinateur et tous les produits sont numérotés. Voilà. Wow, c'est un gros boulot d'archivage, là. C'est énorme, ça prend 3 ans de travail pour Hugues, d'accord. Il travaille 2 jours par semaine chez BG, parce que le reste du temps, il était enseignant. Et maintenant, il va prendre une retraite bien méritée. Mais oui, c'est un travail énorme parce que une première chose, c'est bien sûr de choisir sur les salons les produits qui me semblent attirants par la conception, par la gamme qui est plus rapprochée un petit peu dans l'esprit de ce qu'on veut faire, ou des fois des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait, mais qui m'interpellent par rapport à la finition, par rapport au look ou la matière. Et c'est comme ça après que naissent les idées aussi en montrant déjà à l'équipe pour qu'ils puissent voir la finition des autres. Parce que là, ce qu'il n'y a pas montré, c'est aussi, on a un mur de copie. Bon, il n'y a pas grand-chose ici, il y en a beaucoup plus ailleurs. On a un mur de copie, bien sûr, parce qu'il ne faut pas oublier que les Chinois sont toujours là, même si on les aime, ces Chinois. Voilà. Une copie est BG. Ah oui, donc ça, ce sont des, des produits qui utilisent... Des contrefaçons qui utilisent même le nom. Exactement. Parce que ça, donc il y a marqué BG, mais ce n'est pas vous.
Ouais, absolument. Mais ça, ça s'est trouvé sur plein de choses. Et il n'y a pas tout ici. Hein. J'ai même une, y a une marque aussi, GB en Chine, qui existe, etc. Et tout, et, etc. Non, mais il y a... Regarde, celle-là. Voilà. Et celle-là, elle est bien faite. Hein. Celle-là, faut dire que cette copie, elle est plutôt bien faite. Hein. On dirait un vrai produit BG. Tu sais que ça m'est arrivé. Ah, on a... Le son. Ouais, attends... Franck, t'as coupé le son. Ouais, je l'ai... Audio. Voilà. Ouais, ça m'est arrivé moi-même de me trouver sur à Shanghai et de voir sur un stand un produit qui ressemblait vraiment le look des anciens cordons BG qu'on avait. Mais c'est après, je me suis passé devant, j'ai dit, bah, je suis content, ils sont là. Et en fait, je dis, non, je ne suis pas content parce que c'est une copie BG. Et c'était vraiment le truc, le format était supérieur. Ils avaient agrandi, bah, ils font 2-3 erreurs exprès pour faire voir que c'est pas l'original, sans trop le faire voir. Et voilà, mais c'est chez eux, c'est une preuve de compétence de faire des copies. Ils ne le font pas dans le sens de dire on va vous emmerder, ils le font dans le sens de dire on est capable de le mettre à la portée de tout le monde. Mais c'est une philosophie différente, une culture différente, qui nous emmerde bien, mais qui est comme ça. Et voilà. Et après, il y a aussi, de toute façon, des gens dans tous les pays qui aiment bien faire des copies et qui ne gênent pas pour s'inspirer fortement aussi. Donc voilà. Ce qui justifie le changement aussi de temps en temps, de les logos, de les vis, les choses okay, pour renouveler sans cesse. Oui, alors effectivement, on renouvelle aussi. Il y a toujours un souci de faire du neuf avec du vieux aussi par rapport des choses qu'on pense être plus jolies au niveau esthétique. Et puis, il y a toujours cette recherche, effectivement, c'est de la perfection. Donc, ça veut dire qu'on peut toujours faire mieux. Donc, ça veut dire que si on voit un look différent qui nous semble intéressant, ben, on va le tester et puis on va voir l'œil des personnes dessus. J'ai fait une gamme pour les cuivres, j'ai fait une partie de maroquinerie. C'est tout con, j'ai mis un fil rouge dessus pour certains accessoires par rapport à d'autres noirs. J'ai vu que l'œil titillait des musiciens dessus. J'ai dit, bon, OK, on va travailler sur cette direction-là. Et c'est comme ça que c'est venu pour développer cette gamme. Mais c'est aussi de rencontrer les musiciens. Comme vous avez vu sur la vidéo, on a reçu la classe de Dominique Chat chez BG. On reçoit des musiciens. Il y a un petit jeune Nigérien qui était venu chez BG. Je vais rencontrer sur Instagram et j'avais tilté sur la positivité et l'énergie qui dégageait. Et de même qu'il y a 25 ans ou un truc comme ça, plus, même j'ai rencontré Julien Lebis en clarinette, 11 ans, Standing Ovation avec Ricardo Morales, Carbonari et tout. Et qui maintenant a fait la carrière et qui a même une clarinette à son nom. Et j'adore rencontrer comme ça des jeunes parce que d'abord ils sont frais, ils ont l'énergie et tout l'avenir leur appartient. Et c'est des gens qui sont intéressants parce que justement ils vont nous aider aussi à évoluer. Donc c'est tout du positif pour tout le monde. Et on a besoin de jeunes et de moins jeunes qui partagent leur passion, leur énergie, leur fougue avec d'autres pour les motiver à faire de la musique. Voilà. C'est ce que tu fais avec tes cours aussi à côté et toutes les choses que font d'autres artistes aussi qui sont hyper importantes pour encourager et développer la culture musicale. Donc voilà, on fait notre petit niveau un petit peu de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut améliorer. Là, vous avez vu donc la partie ligature, la partie archive. C'est déjà un aperçu assez complet par rapport aux choses qu'on fait chez BG. Et il y en a d'autres après à faire, à voir. Donc une autre occasion, on fera voir la partie couture, écouvillon, cordon et tout. Il faudra qu'on fasse un zoom plus tôt dans la journée pour ça. Parce que là, après les jours, c'est la... Comment on fait tôt. Je crois que tu es plutôt ouvert à ce que les gens sont vers Lyon, ils peuvent voir le showroom. Alors, on fait pas tu fais des événements, il y a des masterclass dans le showroom parfois, des choses comme ça, right? Absolument, on fait les pop-corn, on fait tout. Non, on fait effectivement des événements. On a aussi des musiciens qui viennent répéter ici. Bah, maintenant, avec le Covid, de toute façon, ils ont besoin aussi d'endroits pour se trouver, pour faire des répétitions. Les trompettes de Lyon, par exemple, viennent régulièrement chez nous aussi pour travailler. On a donc la salle de concert que vous avez aperçu aussi au départ. On a aussi des ensembles comme ça qui viennent pour essayer les choses et puis d'autres qui viennent pour voir un petit peu de ces produits. Le tout, c'est de prendre rendez-vous auprès de Pasquale quand c'est pour le saxophone, pour Hugues aussi pour la clarinette pour le moment, comme il est là, et après on a Clément. J'aime bien voir un musicien qui accueille un musicien.
pour moi, c'est une marque de respect et c'est surtout une compréhension mutuelle de ce qui se passe, de ce que l'on fait, de ce que l'on peut proposer et tout. On a également, pour information aussi, Jimmy donc, Merchant, qui est basé, lui, à New York, Jasmine, qui a fait Juilliard, et qui est l'artiste relation manager de BG, et qui est en relation avec tous les musiciens aussi pour la famille BG, qu'on développe au fur et à mesure. Donc, on a vu une vidéo, mais il n'y a pas, bien sûr, pas tous les artistes. Il y a Craig Goldby, il y a plein de gens comme ça qui sont des gens que j'adore. En France, il y a Michel Gaucher, il y a Thierry Faudja, il y a une tonne de gens qui font un spectacle que je connais depuis 35 ans, mais à l'époque, on s'en fichait de parler de Facebook et de toutes ces choses-là, d'Internet. C'était la relation humaine qui comptait avant tout. Et moi, ce que je voulais, c'était savoir, ça te plaît? Super, ça te plaît pas? Dis-moi pourquoi. Qu'est-ce qu'il faut que j'améliore sur mon produit? Maintenant, c'est plus, t'as vu, il faut que je me fasse voir. Donc, c'est autre chose comme culture, si tu veux. Mais il faut vivre avec son temps. Et on le fait aussi maintenant, etc. Donc, pour revenir par rapport à la phase de visite chez BG, bien sûr, on encourage, parce que c'est comme ça qu'on apprend nous aussi, en ouvrant un petit peu les horizons, en montrant ce qu'on fait, en écoutant, parce qu'une petite remarque de rien nous fait évoluer, et puis permet aussi aux musiciens de se rendre compte de ce qu'ils ne connaissent pas, et nous rendre compte qu'on ne communique pas assez bien pour que le musicien n'ait pas découvert quelque chose chez nous, mais il devrait déjà l'avoir découvert avant. Ouais. Voilà, ok. C'est un échange, de toute façon, la musique est un partage, et moi, ce que j'adore, c'est quand les gens sont pointilleux et aime bien aller au fond des choses et trouver vraiment ce qu'ils recherchent, quoi. Parce que ça nous poussait à poser une question. Là, j'étais par mail avec un musicien anglais qui a trouvé une super ligature pour soprano. Il me dit, pour le moment, les ténors, j'ai un modèle de notre marque et ça me convient. Et j'ai rappelé Jimmy, j'ai dit, Jimmy, moi, ça ne me convient pas parce que je veux qu'on trouve quelque chose, une solution qui lui convienne. Ça veut dire que si on n'a pas encore trouvé la bonne réponse, il faut qu'on retravaille. Mais voilà, c'est la recherche permanente. Mais c'est comme vous, quand vous travaillez une partition, tant qu'elle n'est pas dans le moule de ce que vous souhaitez offrir au public, et ben vous la retravaillez. Ben nous, c'est pareil. D'accord. J'ai une culture de musicien, donc j'ai été élevé au biberon avec la musique. Et je partais vite avec du contemporain, mais autrement, j'étais toujours là. Et voilà. Yes, super. Écoute, avant de parler un petit peu de Master Sax avec Geoffrey d'attaquer la dernière partie de notre rencontre, tu parlais des nouveaux produits. Donc moi, ça c'est ma ligature à l'alto, hein, qui est super. Je sais plus le nom du modèle, mais et tu vas vous sortez une nouvelle ligature, je parle du cordon, le cordon. Oui, le cordon. Donc, on sort le cordon que tu as sur toi. Qui s'appelle Zen, et que Pasqua va te présenter d'ailleurs. On prendra sur lui. Voilà. Attends, il faut que je repasse ce truc derrière pour les prendre. Voilà. Voilà, vous avez le mannequin Pasqua. Voilà. Bon, allez, là. Bonjour. Voilà. Et donc ça. Donc le principe du cordon, voilà, on va le voir sur les détails aussi, c'est que les tailles font la différence. On a des crantages aussi pour les dents, pour que la préhension soit facile. Vas-y, montre et descends en même temps. Voilà. Comme ça ou comme ça. Voilà. On peut le prendre comme on veut. Et l'avantage surtout, voilà, c'est qu'on va avoir cet écartement en plus de par l'écarteur. Voilà. On l'a appelé Zen parce que c'était un nom que je trouvais qu'il sonnait bien par rapport au confort et à l'amplitude que ça donnait. Et puis, avec les ailes un petit peu en même temps. Et puis, voilà. Mmh. Et on retrouve aussi, bien sûr, le crochet donc BG, mousqueton métal plastifié, avec un plastique qui dure, pour éviter les scratch sur le saxophone, quand on enregistre aussi, pas faire de bruit, et d'avoir un truc vraiment qui soit fiable et beau. Voilà, enfin... Moi, je trouve beau, voilà. Après, super, donc il y aura un cordon comme ça à gagner pendant le stage Master Sax. Voilà, qui peut être blanc, noir ou rouge au choix du musicien. Yes. Et puis la ligature du haut qui sera traitement de surface au choix du musicien et également donc choix du musicien pour le modèle, parce qu'il peut vouloir une alto, une ténor ou une soprano, il choisira le modèle qu'il préfère, et puis le traitement de surface qu'il préfère, puisque chaque traitement de surface va intervenir sur la qualité acoustique. Mmh. Avec le silver qui sera plus brillant, l'or plus centré, l'or rose plus suave, etc.
Donc là, ce que montre Pasquale, excuse-moi, je reviens en arrière un petit peu, c'est sur les cordons qui vont être offerts. Il peut être aussi bien. Alors, ils seront pas en... On peut les porter les deux en même temps si on veut, mais ça, c'est le style de Pasquale, c'est italien. Hein. Voilà. Ça peut faire un harakiri comme ça. Hein. Yes. Ok, mais voilà, voilà, on a cherché à avoir une qualité pour l'éponge à l'intérieur. Aussi, c'est important. La finition avec le petit logo BG aussi dessus. Voilà. Alors, bien sûr, il y a d'autres marques après qui s'inspirent fortement. Mais ça, c'est la règle du jeu. Et puis voilà, donc on a un truc qui est. Yes. Un cordon qui est confortable et surtout avec une éponge qui absorbe la transpiration. Voilà. Super. Je voulais montrer aussi, parce que ça, c'est, franchement, c'est un petit truc, mais que moi, j'utilise beaucoup. Ah. C'est les pad dryer que je laisse dans mon saxophone quand il est dans son sur les do dièse sol dièse et sur la clé de ré, parce que c'est do dièse et sol dièse, hein, c'est les clés qui collent, et du coup avec ça mon sol dièse et mon do dièse, en fait j'ai plus de problème. Alors c'est vrai qu'on peut toujours mettre une feuille de papier etc. Bon, c'est quand même plus efficace parce que ça absorbe l'humidité, donc ça j'aime bien ça. Et les petites poches en néoprène de BG pour le bec. Un néoprène. Voilà. C'est pas néoprène, c'est du tissu mèche. C'est super, tissu mèche. Ouais, tissu mèche. Ça c'est une mafia respirante. J'en ai un sous les yeux. Je vais te montrer. Pardon. Très bien. Bouge pas. Attends. Voilà. Voilà. Donc là, tissu mèche. Ok, donc c'est une matière qui est lavable et qui respire. Ouais, c'est un bec BG, parce qu'on fait des becs Clarite aussi. Voilà, donc ça, c'est le push qui est vraiment le plus facile à utiliser, de toute façon, qui est simple, et surtout qui est efficace et lavable et qui respire. Donc ça veut dire que l'odeur du garde-manger depuis 3 semaines sortira. Il y a Guillaume qui pose une question. Est-ce que ça déforme pas les clés? Je pense que Guillaume fait référence à ces petits pad dryers. Guillaume est flûtiste. Et non, pas du tout. Hein, ça déforme pas les clés. Hein, tu les mets juste entre le. L'idéal, ce serait, une fois qu'on a terminé de jouer, de nettoyer l'instrument, de nettoyer les sèches-tampons, mais de ne pas les laisser, Alex. Parce que des fois, je te laisse, ça peut garder un peu d'humidité. C'est de les sécher les tampons bien comme il faut et de les enlever. Je sais que ça reste collé, le sol dièse, le dièse, mais des fois, une fois qu'on a terminé de jouer, c'est mieux de sécher et de les enlever. D'accord. Bon, ok. Donc, mais non, ça ne déforme pas, le, ça pas, déforme pas les clés. C'est très, très fin. C'est un tissu microfibreux. Un tissu très très fin qui ça déforme pas la clé, pas du tout. Ok, super. Donc il y aura tout ça à gagner pendant le stage de Master Sax. Je vais donner la parole à Geoffrey pour présenter un petit peu le stage. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans Zoom ou sur Facebook à poser une question pendant le live à Franck et son équipe sur les produits BG, à Geoffrey sur Master Sax, pendant que on voit d'autres articles de chez BG. Donc je vais donner la parole à Geoffrey. Eh ben bonjour tout le monde et merci beaucoup Franck et toute son équipe là pour cette présentation, c'était top, merci Alex. Moi je suis ravi de vous retrouver. Qu'est-ce que je peux dire sur Master Sax? On va faire des lives un peu comme celui-ci, bien tous les jours avec les profs, avec des élèves aussi qui vont témoigner de la dernière
Master Sax qu'il y a eu en décembre. En fait, en décembre, j'ai organisé cette Master Sax. Je pensais que ce serait un one shot. Voilà, c'était pour proposer une alternative, puisque c'est compliqué de prendre des cours, de faire des concerts. Donc, je trouve que ça manquait de se retrouver comme ça entre musiciens. Donc, voilà, au mois de décembre, j'ai lancé cette Master Sax. Ça a cartonné. Il y a eu 57 inscrits. Et j'ai eu des retours exceptionnels. Et tous m'ont dit, mais ce serait sympa de faire ça 3, 4, 5 fois dans l'année. Donc voilà, c'est pour ça que je propose cette deuxième édition avec d'autres professeurs. Donc effectivement, il y a Alex qui nous a rejoint et je suis super content parce que ça fait 20 ans qu'on se connaît et que c'est un musicien extraordinaire. Donc voilà, je suis content qu'il y ait cette masterclass. Il y aura 17 masterclass et dans le week-end, donc du 26, 27, 28 février. Et ce qui m'intéresse, moi, là-dedans, c'est qu'il y ait des profils super larges et on va aborder le sax tel que je pense tel qu'il est en 2021, c'est-à-dire évidemment dans sa dimension technique, esthétique, mais aussi on va avoir une masterclass un peu sur le marketing. Donc il y a Jimmy Sachs, il est qui a je sais pas combien de millions de followers sur YouTube là, qui fait de la house, donc je trouve ça génial de pouvoir avoir 2 heures avec lui pour avoir des tuyaux tout simplement pour comment communiquer. C'est vrai que c'est super d'avoir aussi Baptiste Herbin qui va nous parler de 2-5-1, de bebop, de phrasé. Et c'est essentiel, évidemment, quand on veut être saxophoniste. Mais je pense qu'aujourd'hui, en 2021, c'est essentiel de communiquer aussi sur les réseaux. Et je pense que Jimmy Sax, il n'y a qu'à voir les résultats. Hein. C'est le top du top. Donc voilà, je voulais qu'il y ait du marketing. Je voulais qu'il y ait de la composition. Donc bah, là, en France, on a un groupe qui s'appelle Electro Deluxe, qui est ouf, avec une section de cuivre incroyable. Bah, tout simplement, il y aura Thomas Faure qui va nous dire comment il compose, comment il arrange. Donc pareil, je trouve que quand on est saxophoniste aujourd'hui, c'est important de savoir servir un petit peu de son ordi, de pouvoir maqueter avec, enregistrer. Et Thomas va nous expliquer comment lui s'y prend, comment il fait pour arranger des morceaux cuivre, section cuivre. Et d'ailleurs, il y aura aussi Jimmy Sax qui va nous dire lui comment il utilise son matos. Il y aura aussi Guillaume Perret qui va parler des pédales d'effet. C'est vrai que Guillaume Perret, bah, c'est quand même il a quasiment créé un mouvement, j'ai envie de dire, une école dans sa façon de jouer. Donc je trouve qu'aujourd'hui, quand on est saxophoniste, c'est bien de pouvoir s'intéresser aussi aux pédales d'effet, comment créer un nouveau son, un nouvel univers. C'est ce qu'il a fait, Guillaume. En fait, ce qui est important pour moi, c'est que vous ressortiez des 3 jours en vous disant que vous pouvez vraiment vous autoriser à être vous-même dans votre créativité, dans votre esthétique. Moi, quand j'ai pris des cours de sax, il y avait comme une espèce de message inconscient qui passait, c'était « il faut que tu bosses le jazz ». Et ouais, d'accord, j'aime bien le jazz, mais en fait, j'aime bien aussi d'autres musiques. Et voilà, l'idée là de cette Master Sax, c'est que vous trouviez vraiment ce qui vous plaît et comment le travailler. Donc, il y aura aussi Jean-Charles Richard qui, lui, a un éventail super, super large. Et vous allez aborder les techniques contemporaines de slap, de respiration circulaire, multiphonique. Donc, en fait, vous allez voir tout ce qu'on peut voir sur un sax, je pense, aujourd'hui. C'est un stage, je pense, qui est assez unique parce qu'il va y avoir donc 9 intervenants. Et puis, ben, moi, je suis au taquet de tout ce qui touche un peu à la conscience. Donc, c'est vrai que j'ai créé donc les concerts sous hypnose. Je fais ça depuis 5 ans parce que j'ai toujours aimé le lien entre musique et sacré et spiritualité. Donc, après avoir fait plein de tournées avec Aznavour, Yannick Noah, Manu Dibango, tout ça, j'ai créé ce concept-là il y a 5 ans. Ça m'a emmené au Pérou à rencontrer des chamans, tout ça. Bref, je coach pas mal d'artistes et donc je vous proposerai aussi 1 heure de coaching, donc pas directement sur l'instrument, mais plutôt sur vos pensées, parce que on peut, quand on travaille, avoir ce qu'on appelle des pensées de merde, c'est-à-dire dire je suis pas assez bon, je suis pas assez doué, j'ai commencé la musique trop tard, je suis pas dans une famille d'artistes, tous ces trucs-là qui font pas forcément du bien, on s'en raconte tous. Et en fait, donc on rentre dans le champ des croyances. Qu'est-ce qu'on croit de la vie, qu'est-ce qu'on croit sur nous. Et bien souvent, il y a plein de croyances qui sont pas utiles. Et les croyances, par définition, elles sont vraies, mais on peut les changer à chaque instant. Donc voilà, on prendrait 1 heure là-dessus. Moi, je coach beaucoup de musiciens, de sportifs, et j'ai envie de vous faire profiter de ça parce que c'est extraordinaire.
Voilà ce que je peux dire sur Master Sax, c'est super intensif, 17 masterclass dans le week-end. Yes, super. Je vois, il y a Julien qui apparemment a participé à l'édition précédente, qui dit « je confirme, c'était top ». Ah ben merci, super. Et donc peut-être juste aussi, je crois qu'on peut dire que c'est par session d'une heure avec une heure de break. Hein, donc sur une journée, je crois que ça commence à 10h, c'est ça ? Il y a une session, alors, la session commence à 10h. Alors ça commence à 9h. Le format, effectivement, c'est une heure de masterclass, une heure de break, une heure de masterclass, une heure de break, etc. Je trouve ça bien parce que ça permet à chacun d'aller selon son rythme. C'est-à-dire que pendant une heure de cours, vous pouvez le faire avec votre café, votre instrument, vous coupez votre micro, vous jouez par-dessus, tout ça. Vous vivez votre cours comme vous en avez envie. Et puis après, y a une heure de break. Et pendant cette heure de break, vous pouvez continuer à practicer et à pratiquer. Ou alors à faire une pause, à vous reposer. Ce qui vous amène après sur d'autres questions pour la masterclass suivante. Et puis, chaque prof intervient deux fois, pas le même jour. Donc voilà, comme ça, vous avez le temps de bosser, de laisser mûrir, de vous reposer. Donc il y a six masterclass le premier jour, 6 le deuxième et 5 le dernier jour. Donc voilà, il y a un total de 17 masterclass et ça va de 9h du matin à 22h. Si jamais vous ratez une masterclass ou vous ratez une journée, il y aura un replay qu'on laisse 2, 3, 4 mois, enfin le temps qu'il faut. C'est vrai que la première édition, j'avais dit je laisserai 2 mois, mais il est toujours en cours parce que j'ai des messages qui me disent non, franchement, laisse-le, il y a tellement d'infos, de matos que voilà. Je laisserai le replay pendant quelques mois. Donc voilà, vous pouvez toujours y accéder. Le voir, le revoir, parce que c'est vrai qu'il y a il y a plusieurs niveaux de lecture, d'apprentissage. Quand vous suivez la masterclass et puis si vous la regardez 15 jours après, vous allez apprendre des nouvelles choses. Et voilà, donc c'est ça aussi qui est pas mal, c'est quel que soit votre niveau, vous allez apprendre des choses. Et d'ailleurs, à la dernière masterclass, quasiment tous les profs ont suivi toutes les masterclass. On a toujours à apprendre. C'est comme BG, ils sont tout le temps en train de se remettre en question. Les musiciens, c'est la même chose. Yes, super. Et donc il y aura 17 masterclass. Et il y aura plein de cadeaux à gagner par les sponsors, hein, ligatures, cordons, il y a d'autres sponsors. Ouais, toutes les bonnes marques qui nous suivent, qui nous épaulent, qui croient en cette expérience. L'envie, la générosité d'offrir des cadeaux pour tout simplement participer, parce qu'on a tout, que ce soit les marques, les élèves ou les profs, en fait, on a envie que la connaissance se partage, se transmette, et ça passe aussi par le matos. Donc, effectivement, tous les sponsors jouent le jeu. Il y a une super équipe de sponsors et donc vont offrir des cadeaux. Aussi, la dernière, peut-être que Julien peut témoigner, mais la dernière Master Sax, à chaque cours, je tirais 3-4 personnes au sort. Il y a eu énormément de cadeaux et donc de gagnants. Je pense qu'il y a plus de la moitié des participants qui ont gagné un truc largement, quoi. Voilà. Super. Ok, cool. Bon, super. Si jamais Erwan a gagné un cordon en décembre. Est-ce qu'il y a des questions pour Franck Bichon, pour son équipe, pour Geoffrey? Si jamais vous avez des questions, now's the time. Sinon, on va terminer avec. Peut-être un mot pour terminer, si Franck, quelqu'un de l'équipe, a un mot pour terminer. Geoffrey. Pardon, Franck, vas-y, je t'en prie. Non, vas-y. Oui, il y aura des lives tous les soirs, des rendez-vous comme ça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la page Master Sax. Chaque jour, il y aura des posts aussi. On a appelé ça la minute du kiff et la minute tuto. Donc voilà, des petits moments qu'on a envie de partager de musiciens
de anciens ou actuels qu'on aime, et puis aussi des moments de masterclass, de l'ancienne masterclass, où j'ai sélectionné des petites minutes comme ça particulièrement intéressantes, des belles pépites. Donc voilà, abonnez-vous à MasterSax, vous aurez toutes ces infos-là, et puis quand il y aura des lives. Voilà. Cool. Vas-y, Franck. Ouais, je vais ajouter un petit mot, simplement dire que nous, on va relayer toute l'information sur nos réseaux sociaux aussi, au quotidien. On va se recontacter après en off aussi pour en parler un peu de tout ça. Et puis, pour le mettre concrètement en place. Mais moi, je trouve la démarche super motivante et intéressante. Et on fera un peu plus que ce qu'on a prévu initialement aussi pour vous suivre par rapport à l'événement avec les participants et les organisateurs. Et puis, bon, voilà. Et vraiment, bravo pour l'idée. Bon, je découvre des choses que je ne connaissais pas. Je crois que je suis le stage moi aussi. Alors, j'ai plein de choses à apprendre. Évidemment, toute l'équipe est invitée. Et puis moi, je suis vraiment très heureux de te rencontrer parce que j'ai, donc comme je te disais, mon prof était un élève de ton père. Donc, j'ai commencé aussi avec un peu sa méthode, la gamme pour tous de Bichon, tous ces trucs-là. Enfin, je fais partie de cette génération-là. Donc, j'ai eu un prof extraordinaire. Donc, je suis heureux de te rencontrer. J'ai croisé ton père à Gap comme Alex. Je pense que ça devait être en 93, un truc comme ça. Mais voilà, c'est chouette. Et vous êtes évidemment tous invités à MasterSax. Et je serais heureux. Ce vendredi-là aussi, je fais un concert sous hypnose avec Bernard Werber, qui est un auteur que j'adore. Pareil, quand j'étais ado, je lisais ses bouquins. Et on fait un voyage intérieur en streaming. Donc, voilà, je suis heureux de vous inviter aussi. Ça se rapproche un peu des concerts sous hypnose que je peux faire. Lui, il va guider une expérience un peu méditative, hypnotique. Et moi, je vais faire de la musique avec sax, pédale d'effet, en impro total. Donc ça va être cet vendredi. Et je vous enverrai des invitations. Avec plaisir. Avec plaisir. Bravo. Et merci, Alex, parce que c'est aussi super de nous avoir permis de mettre en relation un peu tous ensemble. Et, ouais. Et voilà, et plus vous ferez d'événements, et plus ça sera bénéfique pour tout un chacun, parce que plus il y a de synergie, plus de choses positives qui s'échangent, et plus on a envie d'avancer, de se remettre en question, et puis de partager, voilà, tout simplement, parce que la musique, c'est du partage. Donc merci à tous les deux. Yes, super. Merci. Eh ben super. Écoutez, merci à toutes et à tous de nous avoir rejoint. Merci Franck et l'équipe et Geoffrey. Et voilà, bah écoutez, j'espère que on va vous voir au stage MasterSax pour ceux que s'intéressent. Va y avoir plein d'infos. Vous pourrez les regarder après dans le futur, ce qui évidemment va y avoir énormément d'informations. Donc c'est bien, vous aurez les replays disponibles. J'espère que cette visite et cette discussion avec BG France vous a intéressé. Le matériel, c'est important. Et ça commence quand même, tout commence ici. Le son que vous entendez, la musique que vous voulez jouer, ce qui marche pour vous, le matériel, ça doit être quelque chose qui vous aide à aller dans la direction que vous voulez. Mais c'est pas le matériel qui décide de la direction dans laquelle vous voulez aller. C'est là pour vous aider à obtenir le son que vous recherchez. Et je trouve, en tout cas, moi, c'est comme ça. Tout ce que fait les Franck, c'est les ligatures et tout ça. C'est quelque chose qui me correspond à moi et que j'apprécie beaucoup la qualité de son travail. Donc je suis vraiment content de pouvoir partager ça avec vous par ce live et à travers MasterSax. Et voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit. Juste une petite chose, Alex, aussi, t'as un code de promo, on va le rappeler, même si on l'a marqué sur les réseaux, mais yes. On va profiter que vous êtes là, donc avec le code Alex30, vous avez 30 euros de réduction sur le pass 3 jours, donc il coûte 250 euros, donc avec ce code-là, ça fait donc le pass à 220 euros avec le code Alex30, sans majuscule, comme ça, quand vous allez quand vous achetez le ticket, il y a cette proposition de rentrer le code promo. Voilà, yes, super.
Eh ben, écoutez, je crois qu'on arrive au terme de notre discussion. Encore une fois, merci Franck, merci l'équipe, Clément, Pasquale, Geoffrey, merci tout le monde. Merci à tous, merci Pasquale. Et bonne fin de journée à toutes et à tous. Ciao, ciao. Ciao, merci. On escale.